Voilà. On a des missions à finir. Tac, une ombre pleine sur des dérives. Inquisitrice, eh bien voilà qui était vivifiant. Une bataille rangée avec des mages maléfiques, des guisements domestiques, des boules de feu qui volent et des épées qui s'entrechoquent. On était allé chasser des Venatori de la capitale de Ferelden. Ça me rappelle les souvenirs. Je mangerai rien qui sortira de ses cuisines pendant un moment, vous pouvez me croire. Je me demande s'ils avaient prévu de m'empoisonner. Saleté de petit cultiste. Quoi qu'il en soit, je vous suis reconnaissant de l'aide apportée par l'Inquisition. Nous ne les aurions pas trouvés sans vous. On voit Lister Terrine. Bien. Nous sommes débarrassés des bandits que le jeune Sutherland. Pensez à le travailler, à le remercier. Il pourrait travailler aux cuisines. Ok. Les seaux. Ah, on a trouvé un seau. Très bien. Nos émissaires sont rentrés. Orzammar a affecté à notre cause certains des plus grands guerriers de la Légion des Morts. D'après le roi, il s'agit de chasseurs d'engeance vétérans des plus téméraires. Mais le roi a également proposé de mettre à notre disposition les ressources financières d'Orzammar. Il est conscient de la menace que représente Corypheus. Très bien. Alors, quelles autres missions vous allez faire? Et nous, on a dit qu'on allait au Ponant aujourd'hui. Ça donne quoi, là, les ressources du Ponant? On va voir ça. Des métaux, des champignons ou... Vous avez lu Ouais, le des métaux. rapport. C'était inhabituel. Il est toujours aussi direct. Une amie à Carinus. D'après Dorian, même si la plupart des magistères Tevinti ne soutiennent pas les Venatori, ils ne lèveront pas non plus le petit doigt pour les empêcher de semer le chaos au sud. Cependant, certains sont conscients du danger que représente ce culte et tentent de l'exposer au grand jour. L'un de nos contacts à Carinus, une magistère du nom de Maevaris Tilani, essaie de présenter au Sénat impérial une loi qui entraverait considérablement les activités des Venatori. Ah, j'ai pas activé. J'ai pas. Ah, attends, hop là. J'ai mis à jour, Nono, merci. Je l'avais préparé, mais j'ai pas mis à jour, j'ai pris le relais. Dorian suggère qu'un soutien discret de l'Inquisition serait utile à Maevaris et pourrait citer l'appui d'autres magistères. Allez, on envoie les Lyanna. Inquisitrice. Et Alliance Observation de l'Impasse. Il fallait s'y attendre. Avec la mort de nombreux acteurs majeurs à l'essor de l'Inquisition, plusieurs maisons nobles s'efforcent de mettre la chance de leur côté en créant leur propre alliance. Pour l'instant, elles semblent empêtrées dans les questions de hiérarchie, elles sont encore loin de pouvoir menacer notre statut. Ambassadeur de la messagère. Un ambassadeur de la messagère. À votre bien. Service. Faisons ça. Et on va à la porte du Ponant. Carte du monde. Et il faut qu'on pense tout de suite à faire. Ah, il y a une mission avec. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il y a Osis Interdite. Oui, d'accord, c'est une autre map. Peut-être qu'on démarre par celle-là d'ailleurs. Ça, c'est la map des éclats. Port du Ponant, il faut qu'on farme notre classe. Notre spécialisation, ah, pardon. Hop. Blackwall, Dorian et Solas. On va voir la spécialisation de Dorian et si elle nous plaît pas, on prendra Vivienne, je pense. Je trouve que Dorian, ça va permettre de faire sa quête, qu'il faut qu'on tue des Venatori avec lui, si je dis pas de bêtises. Inquisitrice, bienvenue à la porte du Ponant. On a aperçu des gardes au sud-ouest, mais personne ne s'est suffisamment approché pour savoir ce qu'ils font. Entre les tempêtes de sable et les créatures sanguinaires, on ne s'est pas aventuré bien loin. L'un de mes hommes s'est trop approché d'une source chaude toxique et il m'a rendu un rapport légèrement délirant à propos d'un dragon cire. Pour faire court, vous êtes peut-être bien dans le pire endroit du monde. Le pire endroit du monde. Eh bien, c'est toujours l'armure bon là, de c'est savoir ce qui m'attend. Désolé, c'est tout ce que je peux vous dire. On a intercepté un messager Venatori et on l'a persuadé de nous donner les ordres qu'il avait sur lui. Nous les avons pris. Tout cet endroit, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal ici. Faites attention. Ok. C'est une grande zone, ouais. C'est une zone aussi grande que celle de. Des marches libres, je crois. Une quête de réquisition directement. J'ai quelque chose pour vous. Au rapport. Qu'est-ce qu'il y a? Voyez par vous-même. Vu que nous avons les Templiers se redéploient, nous allons dans les mines. Ok. Ok. Je crois qu'on a une faille tout de suite là, ouais. On va faire la petite faille à côté là. Ah oui, et
Il faut quand même stater Dorian, sinon... Déjà qu'il est à poil, si en plus il a pas de stats. Nécromancien, version de qui manipule les esprits immatériels. Du coup, c'est quoi ces spells? Augmente la vitesse... Bombe vivante et marque spirituelle. Ouais. Écoute, on va lui donner full les armes. Ouais. Ok. Ok. Et la magie de foudre, hein, parce qu'on trouve ça bien la magie de foudre. On va bien voir. Directement, après s'emmerder. Oh, on l'a stun tellement longtemps, lui, là. C'est bugué. Okay. On aimerait bien aller en hauteur, là. Allez, hop, hop. Évidemment, évidemment. On va plus vraiment. On a pas plus. Fais-moi la paix, démon. Ils sont savatés par une horreur en revanche. Il y en a deux, c'est pour ça. Là, mais d'abord on prend du otium, on sait pas ce que c'est, mais on prend. Globalement, on est en difficile, mais on massacre les trucs là. Ah, je dis ça, on s'est fait casser la gueule par un dragon la dernière fois. Rien de tout ça ne devrait être ici. Casser la gueule par un démon. Oh oui, par un dragon, par un démon, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis fatigué. Alors vraiment là, on fait du... Ouais, on va faire de la balade champêtre, j'ai envie de dire. On cherche des duvetins. Fight. Bébête. Déjà une quête de plus. Qu'est-ce déjà devine notre route. Trouver Frédéric. Destinataire Frédéric de Cero. Saint Andraste qui viendrait s'aventurer dans ce désert. À part nous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Celui qui a fait ça va avoir des comptes à rendre. Il en faut des ressources pour tuer une putain d'hyène. Mmh.
Qu'y a-t-il là-dedans? Des petits champipi. Qui a fait ça? Oh, il y a eu du Templier par là où je m'y connais guère. Barbe de goule, c'est marrant comme nom de plante. Putain, bah heureusement qu'il en faut plein, est-ce qu'il y a du otium, parce qu'on en a plein. Augment de mosaïque là, et c'est le truc dont nous parlait de l'architectonin la dernière fois et on comprenait pas trop. L'homme ne comprenait pas trop ce que c'était. Pas monté là. C'est une mine à sens unique. Je rate pas une échelle ou un truc comme ça ou... C'est bizarre ces appareils. Ces appareillages. Ok. Super weird, comme on dit dans le milieu. Solide les animaux dans le jeu. Ouais, la hyène niveau 11 là, on est 4 à taper dessus, faut 8 heures quoi. Putain, bah en parlant de hyène. Oh, puis elle prend de la magie et tout, hein. On va peut-être préférer Vivienne, hein. Faut vraiment juste peut-être faire Dorian pour sa quête et puis envisager Vivienne. We'll see. Alimenté en énergie. Ah. En tout cas, je suis quand même un poil plus fan de la compo double mage. Bon, on l'a testé 5 minutes, mais. Dans mon cœur, Vivienne. C'est mon cœur, si je pouvais faire 4 mages. Et je farm, et je farm, et je farm. Ok. On a réglé une avant qu'elle nous touche, et ça c'est beau. Globalement, vu notre compo, on n'a pas vraiment envie d'être dans la mêlée. Hein. On les défonce, on les défonce. Moralité, une hyène est plus solide. 4 mages, only KT. Ouais, 4 mages, ce serait incroyable, mais. Même si t'as vraiment trop besoin d'un tank dans ce jeu. Là. Et puis, la call, il a une durabilité assez violente. On va pas lui enlever ça. Oh, mais il faut que je clique sur tellement de trucs. J'aime cliquer sur les trucs. Petit bouclier qui va être bien pour notre ami Blackwall. L'araignée elle a pris un midlife en entrée de fight quoi. Elle est morte. Full dégomme. Balance les corps et allez à l'emprise du lion. L'emprise du lion qui est une zone un peu plus HL. Par le créateur. Ils ont fait cette chose abominable et ils l'ont raconté par écrit. Ces gens sont vraiment tout ce qu'il y a de plus abject. Comment je monte? Par là? En mode full jump? Je vois pas. Hein. Une échelle que je vois pas. Comment je monte? Comment je monte? Foutez de ma gueule. Putain, mais y a plein de champignons de merde là. Mais je monte comme ça là. Je peux gruger le coffre comme ça là. Je pense pas. Hein. Putain, je vais être idiot ou aveugle, mais c'est un raid. Vraiment, c'est bon.
gérer. Hein. Bon, niveau 12, on va affronter le dragon, non ? On va pas se laisser sur une défaite. Il y aura plusieurs essais sur ce dragon, je pense. Hein. Globalement, il y aura plusieurs essais sur tous les dragons, parce qu'il y en a plusieurs dans le jeu, et c'est vraiment les fights les plus tactiques. Mais les plus récompensants, les plus satisfaisants aussi, je trouve. Une fois que t'as battu un dragon, tu fais « J'ai battu un dragon !» Et on se retrouve là. Alors qu'on avait une quête là-bas, très bien. La balade. Balade des gens heureux. On a envie d'explorer ce truc là, on sait pas ce que c'est mais on veut explorer là. Comme ça l'archidémon, oh, 1 sur 12 fragments trouvés. Qu'est-ce que, de quoi j'ai trouvé? J'ai cliqué sur un truc là. Allez. Ça me trigger ça. Ça d'accord, il nous faut l'obsidienne et le duftin, ok. Ok. Catastrophe dans les tréfonds. C'est un DLC. L'emprise du lion, c'est une zone plus tard. L'oasis interdite, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est un DLC. La porte du ponant, draconologie, il y en a. Attendez, j'ai bien vu un 1 sur 12 bizarre là, non ? Pouf, elle est morte. T'as bien arrêté. Oh le 1200, oh le petit 1200. Chez. Qui sont ces gens? Oh des Venatori, alors ça. Ah, je me souviens de cette quête, elle est incroyable. Sont tous des Venatori, je crois qu'on en tue avec Dorian, non ? Des mages Venatori ? Ça marche pas, ça ? Venatori tué avec Dorian. Ah, c'est peut-être pas cela. Ok. Pourquoi pas. Il y a peut-être des camps spécifiques, non? Si je sélectionne la quête. Ouais, voilà. Ah non. Ok. Faisons comme ça. Dommage quand même, hein. Alors comme ça, les Venatori veulent nous tenir à l'écart. Je crois qu'ils vont être déçus. Tue-le. Chasse au trésor Tavintide, arrêtez les Venatori. Bah ouais, ça, on va faire ça. Vos doutes sont fondés, ok ok. Chasse au trésor Tavintide. On a 5 potes, les ruines endormies, let's go. Parti pour une quête qui va nous prendre la moitié de la soirée.
qui est une quête secondaire. Ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Ces références ne sont pas claires, n'ont ni pouvoir, l'application de Tamitar dans la région intérieure au premier enclin. Petite magie temporelle qui a tout fixé là, c'est ça? Tout est figé. Je ne crois pas que ce soit l'œuvre des Venatori. Non, on dirait plutôt qu'un ancien Tevintid a décidé d'altérer le temps. Je suis étonné que ça se soit mal fini. des points. Dorian, un point, on va le mettre ici. Black Wall, elle est où? C'est ça son truc, non? Oh oui. C'est tellement grand. De niveau dans le niveau est tout à fait incroyable. Le texte parle d'une chambre, ça doit être ça. Ah, Lucanus, c'est le mec qui était ici dans le texte. En fait, les Tevintar, ils ont un peu des noms romains. Je suis invisible, mec. Mis sur le boss en mode Balek. Quoi? Oui, on est low potion, hein. Quête terminée déjà? On a rien fait pour la magie temporelle, non? Il devait avoir une bonne raison de garder cette pierre. Les marques dessus... J'ai entendu parler de clés de... Merde, Solas qui n'a pas pris son point en plus. Il vient d'avoir multivénère, lui. Des météores. On va compter ça au moins une fois. Pierre qui portait les mêmes. Continuez de chercher. Il y en a peut-être d'autres. Des météores. Alors, des pierres dans les coffres. Il était bien facile d'accès celui-là, on est content. C'était même pas une pierre. Quoi, elle ressemble aux pierres de merde là. Ouais, c'est ça. C'est le même bruit que les éclats. Les éclats. Sans déconner, gros. Sans déconner. J'ai pas genre des runes au mur. Hein.
balader avec Solas, hein, pourquoi pas. Est-ce qu'il pourrait y avoir des trucs décrits? Putain, ils étaient vraiment dans une bagarre incroyable, hein. On lira ça plus tard. Codex, un autre jour, ils font des recherches, c'est de la merde. Ils veulent tuer le monde parce que c'est des connards de Tevintide. Lui, j'ai hâte de voir comment il va finir. Une petite caisse de potions à l'entrée de la chambre scellée, ça me ferait extrêmement plaisir, les amis. La sauce ici aussi. Un bâton? C'est ça qu'il cherchait? Attention, il est peut-être encore imprégné de magie. On sait, ils vont le prendre, mais on a plus de potions. Il faut y aller à l'entrée. Ah, c'était là le truc des runes. Arme. Dor. Oh, c'est un truc de mage niveau 12, terrible. Black Hole. C'est mieux. Prends. Ok, armure, on a des nouveaux trucs. C'est... Ouais. Techniquement c'est mieux, mais c'est du blanc, donc on trouvera mieux d'ici là qu'on y soit. L'évitar, c'est pour les Kunari, et il n'est pas dans notre équipe actuellement. Peut-être pour Dorian, parce qu'il est vraiment à Walpé, hein. Ouais. Pour voleur. Lettre de magie, très bien. Les trucs blancs. Je crois que le temps faut qu'on retourne en arrière, full fight quoi. Sans aucune potion. Je dis tout de suite, ça va pas être très fun. Surtout si c'est décide de bien se toucher la nouille là. Y'a pas des Venatori en vie avec lesquels il voulait se battre? J'avoue que ça m'aurait arrangé. Respectivement. Putain, mais on l'avait la torche, elle est là. On a vu la rune. Comment ça, ouch? T'avais rien là, tout ma gueule. Schéma obtenu, rune spirituelle. Un enchantement d'armes de Vintide. Oh, ça pourrait s'avérer très utile. Je pense qu'on va arbitrairement. Oh, j'ai cru voir un démon là-bas, mais pas du tout. Attends, on va aller voir. Est-ce qu'il y a vraiment un Venatori écrasé sous les pierres là? Oui. Oh là là. Le sens du détail, bien joué BioWare. C'est dégueulasse. Ah, globalement, je pense que c'est les démons qui ont gagné le combat. J'ai... Thank you.
faire ici, non? Non, ça va. Attends, il y en avait tellement pourtant. Tellement qu'on a oublié un coffre. Sceau du revenant. Comment ça devrait plein de sceaux, c'est bien. C'est bien. Bon, la faille. Vite, avant que ça empire. Ça empire, on est déjà bien dans la merde, hein. Oh, on l'a presque one shot. Ouh, bah heureusement que ça one shot pas tout le monde vide. Heureusement que le jeu est généreux. J'en veux que lui. Oh, lui il va faire une. C'est quoi la zone? Ok. Il l'a faite, mais ça a pas cramé sa concentration. Oh, mais c'est chacun sa barre. Oh, bah la vie est belle alors. C'est full ultime tout le temps, les amis là. Hein. Oh là 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 là. Oh, c'est son limite. C'est illisible. retenez un truc, on gagne le combat là. Quand vous comprenez plus rien, c'est qu'on a mis tous les ultis. C'est bon ou pas? Ça suffira. Bam! Nice! Quête terminée. C'était bien. C'est fait. J'en ai assez de cet endroit, pas vous? On c'est a si. Eu assez de démons pour aujourd'hui. Figé ou pas? Tout à fait. Tout à fait, nous avons eu assez de démons pour aujourd'hui. Tu as bien dit, Black Wall. En vrai, on va. Oh, fais chier. Taper des allers-retours à la con. On va mettre ça en objectif. On va juste pinger, ouais. On va voyager, on a déjà cramé toutes nos putains de potions. Je rappelle qu'on est là pour farmer des duftins. Qu'on en a pas vu un seul, mais qu'on a fait de la quête secondaire. Et ça, c'est beau. Indiana Jones dans le désert. Les canyons. Oh, un ocularum. Plein de otium. J'aime le otium. C'est généreux, c'est généreux. Ah, c'est tellement généreux qu'à mon avis, il n'y en a que dans cette zone du otium, hein. Ocularum, évidemment. Et voilà. 14 éclats à la porte du ponant, très bien. Là, là-haut, évidemment. Vous êtes lents, les cons. Heureusement qu'il y a Solas. C'est stylé, ça c'est vraiment très très stylé. Ah! Ça c'est un peu moins stylé. Ça vous amuse? On contrôle pas, on prend bien la gauche, voilà.
Hop, hop. Full jump. Hop, hop. Un éclair. L'azurite, encore très... Ouais, c'est ça, l'azurite est au-dessus. Après, faut pas que je prie... En vrai, niveau ressources, faut que je fasse gaffe aux requêtes, parce qu'il y en a qui vont bouffer des trucs, donc j'ai besoin pour des trucs intéressants, et c'est vraiment... Enfin, les requêtes, c'est vraiment pour farmer, quoi. Ah non, j'ai fait le spell. Meurs, pourriture communiste! Hashtag c'est de la peur. Hashtag rêve de vieux. Ouais, ça se tente. Ouais, j'étais pas obligé ça. C'est pour moi ça ou quoi? Oui, ouais, pas cher. Ouais, si c'était pour moi. Vraiment que je... Mais bon là, ce qui fait chier, c'est que Dorian... On a tué des Venatori, ça lui a pas suffi quoi. Niveau 8. On se fout de ma gueule. Hop, faille fermée. Mec là qu'on a pas pris là. Where is it? Where is it? Vas-y Dorian. Attends mais Dorian on lui a même pas mis le... Ah mais je suis con niveau 12. Oh, on va le laisser pour Vivienne hein, le bâton je pense. Si on dit qu'on prend Vivienne. Qui sont ces étranges personnes? Alors j'ai une... Voilà. Et surtout d'où viennent-ils hein. Campagne, les réseaux sociaux, tout ça. Pardon que j'ai plus de côté invisible mais... Oh, si la porte est fermée, c'est un enfer du cul. Pas par là. Nous allons devoir trouver un... Évidemment. Oh, Motoche, j'ai oublié que je pouvais te monter. Viens là, mon pote. Ah oui, opponent, le cheval, ça va faire du bien. Hein. Déjà parce qu'il y a un éclat genre là-haut non. Je peux pas faire une pirouette et l'attaquer lui. Wow, t'attaques pas ma touche comme ça mon pote. Mais non. Never. You die. You die. You die. Les Yen, c'est le pire mob du jeu. Ok, donc on va pouvoir avancer. On va dire que ça c'est l'objectif. Des duvetins, nous cherchons des duvetins. On va mettre une... On va lui mettre une raquette, non? Ouais, voilà. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis le meilleur archer de ta région.
meilleure archère, pardon. Allez, glissade, on perd la moitié de sa vie, ça fait plaisir. Avant tout là pour le lols. Oh les bâtards. Moi aussi je peux faire. Ils sont où? Non, la hyène, c'est le problème du siècle, hein. Abuge. Niveau 12. Niveau 12, est-ce qu'on a des points à mettre? Alors la fifi, est-ce qu'on a vraiment intérêt? Là c'est des passifs qui vont être bien, hein. Ouais 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 ouais. Ouais. En attendant l'arbre de la spécialisation. Là, faudrait que je booste mes trucs en fait aussi. Bon, ça j'ai pris. Ah, oh, c'est ok. Ok. Viens la motoche. C'est beau. Le ponant, mesdames et messieurs, le ponant. Un symbole chantriste ici. Étrange. Allez, suivons la piste de la chanterie. Wow, bonjour. On grille le passage, ça passe, ça passe. Pas trouvé le délire du passage chantriste, mais pourquoi pas. Ok. Oh, ça sent la grotte de l'Astrarium, ça. Il est malin, le mec. Pour faire un campement, ça, ou c'est un clan de clodo? Rien me fait peur dans ce jeu. Salut Avrose. Et là, ça compte pas. Genre là, il dit pas j'ai tué des Venatori avec Dorian. Peut-être lui qui veut de mettre le coup mortel. Ouais, c'est vraiment certain, quoi. Mmh. Ça me semble être un bon endroit pour monter le camp. J'ai peur, ce con. T'as réglé tes graphismes? Bah, j'ai essayé. Je pense que non. Et puis c'est comme ça. Après, je trouve ça visionnable. Hein. Écoutez, faut pas être parfait. Vous avez qu'à regarder la caméra si le jeu n'est pas regardable. Là, c'est beaucoup mieux. Bah, tu vois, même petit. Après, ça dépend peut-être des zones. Hein. Oh là là, tellement de quests. Par contre, t'es toujours aussi macho. Ouais, bah, ça, hélas, il va falloir se plaindre à mes parents. Avrose, j'en suis navré. Mais la tienne s'en est pas plein. Je te troll et je... Oh putain, je suis pas mort. Je suis un monstre. Alors
revendication elle est au-dessus, j'espère. Oula, ça c'est de la forteresse, mon ami. Point de vue de l'ancre là. Parce que je vois surtout, c'est une faille avec des démons. Oh, il la grabe avant le TP. Mais c'est un monstre! C'est un monstre, mon tank! Faut faire W, avoir un cheval. C'est égal pour faire un cheval. Là, j'ai trop de quêtes côte à côte. Et sur les grandes distances, j'utilise Motoche. Grosse wave derrière ça. Wow, okay. Non. Oh. On grid, hein. Ouais. Un peu tard la tempête de feu sur la... Ça ping, un truc là-haut. On va aller voir ça quand même. Pas aller plus loin à cause de ces gaz toxiques là. Tant pis. Avançons. Je crois que ces gaz toxiques nous empêchent d'ailleurs l'accès à la moitié de la map. Oh, t'as toujours pas vu de duftin, hein. On est venu pour des duftins. Ah bah, c'est pas un duftin, c'est un phénix. Ça compte? Ça, je peux pas y aller. Oh, y a pas looté. C'est ça son loot? Que je revois. Récupérer des échines de duftin dominant au col de Nazaire dans les canyons et près de la vieille route de la prison à la porte du Ponant. Ah oui, ça donne carrément des longues zones. Les canyons, c'était là. Le col de Nazaire, j'ai aucune idée. Et la prison, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'un duvetin? Qu'est-ce qu'un duvetin, les amis? À quoi cela se ressemble? Ça, c'est quoi? C'est un fennec. Putain, ça fait peur, j'ai envie d'y aller. Aquarium là-bas. Bonjour. Vous êtes des connards? Oui. Je vais tous vous tuer. Fufu, et puis là, faut revenir. Oh!
Meurs. On frappe ? Avec grand plaisir. Ça compte toujours pas comme de Venatori. C'est vraiment des campements ultra spécifiques à la con. Alors ça fuit, ça fuit. Ça fuit devant ma puissance. Je rappelle qu'on a 3 potions d'abeilles. Qu'on est prêt à s'en servir. Alors les copines, Venatori, allez à leur rencontre. Préparez-les. Préparez-les à quoi? Enfin l'apéro les gars, c'est un combat hein. Ouais bah vous êtes nuls hein. Ok. J'ai tellement envie d'aller faire du craft après là. On a toujours pas trouvé de duftin. Nous servons, inquisitrice, à la vie, à la mort. Bah ça sera à la mort aujourd'hui hein. Je suis DSL les bros. Mais je suis un archer téméraire. Allez, boum! Ouh, let's empty out! Ouh! Et quoi? Ah, il est quand même. Il est tombé alors je pouvais plus le viser, j'avais plus la ligne de vue. Ah, il est pleuré en revanche. Mourir surtout, Macrinus. Donc ça c'est un bastion ça, on les a défoncés hein. Un petit coup de peinture et ça aura presque l'air vivable. Oh oui, du loot violet. Il y a une grotte en dessous, puis de l'avant-poste, très bien. On va aller sur l'astrarium d'abord, évidemment. Alors! C'est que des triangles, c'est facile. Oh, j'ai rien dit. J'ai trollé. Faire tac tac exactement comme j'ai fait mais pas tout à fait
Voilà. Station Tot. C'est quoi les loot? Non, c'est quoi, pardon, c'est quoi le claim, c'est ça? C'est chez nous maintenant! T'appelles ça une expropriation sauvage? Et ouais. Inquisitrice, vous êtes en avance. Nous nous sommes installés il y a une semaine à peine. J'ai envoyé une équipe en patrouille. Des engences ont été aperçues dans la zone. Les Venatori ont battu en retraite, mais nos éclaireurs ne les ont pas encore localisés. Nous sommes bien protégés ici, mais l'approvisionnement en eau est problématique. Ça nous retarde. Je vais préparer les troupes pour l'inspection sur le champ. J'écoute votre rapport. Au rapport, chevalier sous-capitaine. Quelle est la situation à la porte du Ponant? J'ai envoyé nos éclaireurs enquêter sur cette opération Lyrium Rouge que vous avez déjouée. Personne n'ira mettre un pied dans cette grotte avant un moment. Parlez-moi des engences qui sont apparues dans la région. Les engences semblent avoir émergé après notre installation dans le fort. Okay. J'ai dit aux troupes de ne pas engager le combat, sauf nécessité absolue. Nous n'avons pas besoin d'un nouvel enclin. Nous devons trouver le trou d'où sortent ces monstres et le sceller. Et l'eau, je crois le délire. Entendu. Au travail. Non. Inquisitrice. L'eau. Vous avez des problèmes d'approvisionnement en eau? Le puits du fort est plein d'ordures. Ces saletés de Venatori y ont balancé des cadavres. Il y a une oasis à proximité, mais un Varghest y a établi ses quartiers. Rien de tel pour nous tenir à l'écart. Quatre soldats ont déjà succombé à son venin et à ses griffures. Nous avons besoin de renforts pour chasser ce monstre. Poursuivez, chevalier sous-capitaine. Bien, Inquisitrice. J'ai juste regardé à quoi ça ressemble les duftins. Je voulais pas faire de pause. Duvetin. Dragon Age. Bon, il y a vraiment un mob qui s'appelle les duvetins. Ouais, donc c'est vraiment juste des buffs, c'est un peu plus loin dans la zone, très bien. Oh, on peut fabriquer tout. Attends, je peux crafter là? Oh oui. Alors vive le craft. Après c'est que des crafts de merde ça. Est-ce que j'ai chopé des nouveaux... Ouais. Améliorer, on peut pas améliorer. Non c'est juste... Bon, j'ai l'impression qu'on peut améliorer hein. Nous devons nous tenir prêts. Modifier. Une bête acculée est davantage susceptible de riposter. Oh, je peux mettre des sauts. Mana et endurance. Dégâts à revers. Plus de 100%. Attaque, moins 50%. Ah. Mana et endurance, plus de 100%, moins 100%. Ah oui, ça a des revers quand même. Ok. Ok, elles sont pas ouf, les revers étaient vraiment trop énervés. Ok, allure. Inquisitrice. Poursuivez, chevalier sous. On a fait ça, on a fait ça. Ok, on va aller voir ça. On va essayer d'aller là-haut, mais j'y crois pas trop. Entendu. Au travail. Sens un autre artefact elfique. Tu sens un autre artefact elfique? Bah moi je le vois pas gros. J'ai pas un radar artefact en fait. Je sais pas si t'es cochon truffier mais... Acheter vendre. Oui il serait temps d'acheter vendre. Il serait temps de faire un peu de ménage dans le stuff quand même. Tac, objet de valeur. Ah
Armure, on en a chopé pas mal. Peut-être que pour Black Hole, c'est mieux. Ok, c'est pareil. Peut-être que pour Dory. Trop marrant, ça. C'est trop marrant. On va le garder pour Vivienne, en vrai. Mais ça me fait rire. Collier de minette. Moins 100% de résistance aux dégâts. Quoi ? C'est de la merde. C'est beaucoup trop énervé. Drawback est beaucoup trop fort. Tiens, ça te fera des stats. C'est con. Ok, ok. Chercher d'autres aussi des engeances. Oui, bah faisons comme ça, ouais. Personne me tire le levier. Donc je me tire moi-même le levier pour sortir. Mais... C'est pas un péon.